Le Festival des Pavés a été créé par l'association Artistes MBC et la Fanfare des Pavés. Il existe depuis 6 ans sur la place Mazagran. L'idée, c'est de s'ouvrir au quartier, d'inviter les bénévoles, les adhérents de l'association, les producteurs locaux, les artistes professionnels qui sont engagés par l'association, à venir s'ouvrir sur le quartier, rencontrer les habitants, à l'occasion d'un événement festif, fédérateur, et surtout de réunir tout le monde autour d'une programmation artistique de qualité. Le monde est piqué de spas, c'est bien rythmé. Oui, tout le monde qui donne du swing, les quatre, une cloche quoi qu'il joue. Nous sommes le trio Cosmos, on est la constellation du triangle d'été. Il y a Deneb, de la constellation du Cygne, étoile la plus brillante. Vega, étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et Altaïr, l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle. On chante en polyphonie, musique du monde, musique traditionnelle aussi, dans 13 langues. Depuis 4 ans sur Terre, pour répandre vos chants, parce que c'est pas les nôtres, hein. Nous on les a écoutés dans l'espace comme ça, et puis on s'est dit qu'est-ce qui se passe, puis on les propage sur la planète entière en fait. Voilà. La Terre est une planète fascinante. Oui, faut pas la laisser, hein. Faut s'en occuper de la Terre. Thank you.
Fanfare des Pavés, c'est une bande de fous, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le plaisir d'être ensemble, de chanter ensemble, de jouer ensemble, de voir les gens sourire et de les entendre chanter en même temps que nous. Voilà, la Fanfare des Pavés, c'est une bouffée d'air pur. Ça bouge, voilà, c'est cool, c'est très cool, la Fanfare des Pavés. Venez chanter avec nous. Radio Kesman, qu'est-ce que c'est? C'est une fanfare, donc un brave monde, et qui mélange l'univers de la fanfare avec les instruments qu'on trouve habituellement, trombone, trompette, percus, souba, avec un rappeur, un MC, qui du coup pose un flow hip-hop, rap par-dessus. Donc Radio Kesman, c'est un mélange entre la musique au départ de fanfare et un flow hip-hop, même si la musique en elle-même, avec le temps, s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus groove pour justement accompagner le chant. On est plutôt content de jouer ici parce qu'on est tous d'anciens Lyonnais ou des Lyonnais actuels qui vivent dans le coin, donc c'est un festival un peu à la maison pour certains, donc c'est plutôt cool.